Et salut à tous, c'est Yano Pippo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Immortals Phoenix Rising. Et je vous propose tout simplement dans cette vidéo d'affronter ce sanglier légendaire. Alors, si vous avez vu la vidéo Aélectrion, le coq légendaire, eh bien ce sanglier là, c'est l'un des quatre monstres légendaires. Et lui plus précisément, c'est le meurtrier d'Adonis. Bah du coup, sans plus attendre, je vous propose d'affronter le sanglier. Alors, je réfléchis juste si je l'attaque en frontal ou... Je pense qu'on va essayer de l'attaquer de manière discrète. Ça, on peut lui enlever pas mal de vie. En attaquant discrètement. Est-ce que je peux me cacher dans les fleurs? Je crois pas. On va attendre qu'il s'endorme de nouveau. Enfin, qu'il s'endorme. Qu'il se couche. Ah, il s'éloigne. Mince, mince, mince. Couche-toi, yes. On va pouvoir l'attaquer. J'entends encore les cris des mortels fuyant le sanglier de Kaïdon qui saccageait les champs de leur région. Tout ça parce que le roi aîné avait oublié de faire une offrande à Artemis. Hey, il est costaud, hein? En même temps, c'est un boss, hein. Ouh. Une sacrée envergure à son attaque. Sacrée portée, pardon. Ça va pas être évident. On va utiliser le décor, hein. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà, tranquillement. Je pense qu'il veut faire le tour pour prendre un peu de charge et bien me prendre en charge, quoi. Ouf, j'ai du bol. Peut lui balancer une petite attaque. Ouais, je viens de voir qu'en même temps il y a une énigme ici. On va l'attaquer, se faire l'énigme. Et. Ouais, ça sera pas mal. Est-ce que mes potions elles font encore effet les deux autres là? J'en reprends au cas où. Costaud, hein. C'est bon, on a déjà fait la moitié, c'est pas mal ça. C'est clairement pas mal. Costaud, hein. Oula. On va voir qu'est-ce que ça lui fait la flèche. Pas ouf. Allez, c'est parti. Ouh. Voilà, bientôt fini. Je
qu'on aura mis à peu près le même temps que pour le coq. Pour le meurtrier, que pour Alectryon. Enfin, lui, est-ce que c'est vraiment celui-là qui a tué Adonis? Je sais pas. Je connais pas bien le mythe en question. Enfin, il est bientôt KO, lui. Bah, au pire, on va l'achever. Et voilà. T'es pas mal. Pourquoi ça m'a fait spawn là? Et on va en profiter pour faire cette petite énigme qui est pas compliquée, hein. C'est un puzzle en gros. Je vous montre. Ok, donc là, il y a une partie qui est là, une partie de ce bonhomme. Du coup, ça, c'est le bas du bonhomme. Ok. Ça va être un peu... Si, ça peut le faire. Fais ça. Ouais... Ok, alors. Est-ce que c'est en haut ou en bas ça, cette partie? Je sais pas. D'ailleurs, cette partie là, c'est quoi? Je sais même pas vraiment, mince. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est en haut. Donc on va essayer de le mettre en haut. Attends, ça bouge. Ah, pardon. Ok. Ensuite, je pige pas en fait. C'est quoi le truc à gauche là? Ah, c'est pas là des combats d'Hercule ça? Du coup, le taureau, logiquement, faudrait que je le fasse descendre. Comment faire? On va mettre ça là. On va peut-être pousser ça. Je sais pas comment je peux faire ça. Moi je réfléchis. C'est sûrement en haut. Ouais. Moi je réfléchis un peu. Donc ça là c'est sûr, c'est là, ça c'est là. On va essayer quelque chose. On met ça comme ça. Et peut-être que c'est ça. Yes. Parfait. Pièce de charron. Adonis n'aurait pas dû passer autant de temps en compagnie d'Aphrodite. Beaucoup de ses amants furent jaloux. En tout cas, elle n'est pas tombée amoureuse de son cerveau. Il ne put triompher du sanglier envoyé par Arès. Mais lorsqu'Aphrodite, éplorée, versa du nectar sur les blessures d'Adonis, il y poussa la splendide anémone, qui devint le symbole d'une nouvelle vie. Je réfléchis... Si on fait encore un petit quelque chose ensemble, bah non, je pense que ça suffit, hein. Si la vidéo... bon, on va au moins se faire... on va chercher l'ambroisie ensemble. Par contre... on avait croisé ensemble... durant la vidéo, si je ne m'abuse... sur la troisième larme d'Aphrodite. On avait croisé l'un des quatre... monstres légendaires, quoi. Enfin, créatures légendaires.
Et l'autre, c'était quoi? Une sorte de harpie ou je sais pas trop. Bah, qui était peut-être un peu trop fort pour nous pour le moment. Après, on était assez pressé, donc peut-être qu'on n'a pas forcément pris le temps de bien analyser la situation. Mais franchement, c'était chaud, quoi. Et voilà l'ambroisie. Qu'est-ce qu'il y a dans le secteur? Écoutez, on va s'arrêter là, hein. Du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à cocher la petite cloche pour avoir les notifications et à donner votre avis, faire vos remarques en commentaire tout simplement. Du coup, à bientôt.